Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Free vient tout juste de dévoiler sa nouvelle Freebox Pro, une offre 100% pro comme ils le disent sur leur site. L'objet de cette vidéo sera de vous présenter cette offre, de s'intéresser un petit peu à son contenu, aux petits détails aussi qui font l'intérêt de cette offre. Mais il n'est pas question uniquement d'une offre fixe, il est aussi question d'une offre mobile lancée pour l'occasion. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. Si ça vous intéresse, abonnez-vous en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Vous pouvez aussi me suivre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent, les liens sont en description. Encore une fois, mille merci pour votre soutien, c'est grâce à vous que cette chaîne avance. Bon, ma promo est désormais terminée, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Free vient tout juste de dévoiler sa nouvelle Freebox Pro disponible à partir de 39,99€ hors taxes par mois pendant un an, sans engagement. Au-delà d'un an, c'est 49,99€ hors taxes par mois. En termes d'offres, il est question d'une fibre qui va atteindre jusqu'à 7 gigabits par seconde en réception et 1 gigabit par seconde en émission. L'offre contient une backup 4G, du Wi-Fi tri-band, de la téléphonie fixe sur deux lignes avec appel illimité vers les mobiles de France métropolitaine, DOM, Canada, Chine, etc. L'offre intègre aussi un forfait Free Pro 5G, une offre mobile donc, de la protection de données et un support dédié au Pro disponible 7 jours sur 7. Et en cas de problème, il est également question d'un engagement de réponse en moins de 8 heures. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les grandes lignes de l'offre que vient tout juste de lancer Free. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail, d'abord notamment concernant l'offre mobile, puisque pour l'occasion, là aussi, Free a répondu présent. Alors, qu'est-ce que contient exactement cette offre mobile? Tout d'abord, parlons de son prix. Elle est disponible sur le site de Free à partir de 19,99€ hors taxe par mois ou 9,99€ hors taxe par mois pour les détenteurs d'une Freebox Pro. Sans oublier qu'il y a déjà un forfait pro inclus avec l'offre Freebox Pro. Encore une fois, cette offre mobile est sans engagement et inclut de la 4G+, voire de la 5G selon la couverture, avec un quota de données de 150 gigaoctets, valable en France métropolitaine. Il est aussi question d'appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, etc. et vers les fixes de plus d'une centaine de destinations. À l'étranger, le quota de données passe à 25 gigaoctets depuis plus de 70 destinations. Là aussi, il est question d'un support dédié au pro disponible 7 jours sur 7. Voilà, comme ça, vous connaissez vraiment l'aspect commercial de l'offre fixe et l'offre mobile. On va à présent rentrer dans les détails techniques concernant la Freebox Pro en commençant tout d'abord par parler de sa fiche technique. Comme vous le savez, c'est une offre pro, ici il n'y a pas de box télé incluse, il est seulement question d'internet. Et à ce sujet-là, voici la fiche technique. Cette Freebox Pro propose du Wi-Fi jusqu'à la norme AC en tri-bande, une fois en 2,4 GHz et deux fois en 5 GHz. Le support de la norme WPA3 est aussi au programme. Niveau connectique, il y a un port FXS, un port USB 3 de type A, 4 ports gigabit RJ45 et un port 10 gigabit SFP. Concernant le WAN, il est question d'un port 10 gigabit Ethernet réservé à l'arrivée de la fibre optique et un autre port Ethernet pour le modem 4G. Voici pour la fiche technique de la Freebox Pro, mais ça ne s'arrête pas totalement là, bien entendu, il y a aussi d'autres choses à en dire. Voici pour les détails. Tout à l'heure, on parlait de backup 4G grâce en fait à une solution qui s'appelle Business Continuity, qui est censée assurer une continuité d'exploitation en bénéficiant à tout moment d'un accès Internet fiable, qui est donc, selon Free, un besoin essentiel de nombreuses entreprises. Donc, comment ça fonctionne? En cas de coupure, la bascule est automatique sans intervention manuelle de la fibre à la 4G et maintient donc de façon transparente une connexion Internet aux salariés d'une entreprise. Cela permet en quelque sorte aux entreprises de bénéficier d'un accès Internet sans coupure, sous condition bien entendu d'avoir une couverture 4G avec Free. Le modem 4G externe est inclus dans l'offre Freebox Pro et peut être directement installé par un technicien de Free. Le modem peut ainsi être installé directement à l'endroit où la couverture 4G est la meilleure. Free propose aussi Cloud Sync Pro pour protéger les données des entreprises. Ce dispositif associe un stockage local et une synchronisation automatique des données dans le cloud.
avec notamment un chiffrement des données. Le stockage au niveau local des données s'effectue directement sur la Freebox Pro qui dispose d'un serveur NAS en proposant un emplacement pour deux disques durs de 1 Teraoctet. Et ainsi, il est aussi permis une duplication automatique des données dans le cloud. Il précise aussi qu'il y a 200 Gigaoctets de stockage cloud qui sont inclus dans l'offre. Free propose également une sécurité entre parenthèses intégrée pour les entreprises par le biais d'un firewall pour protéger des attaques externes ainsi que pouvoir filtrer et contrôler l'entrée et la sortie des accès au réseau local compatible IPv6. D'ailleurs, l'IPv6 est présent de manière standard bien entendu dans cette offre, mais les entreprises peuvent également faire une demande auprès de Free pour obtenir une IPv4 gratuitement. Il est aussi question d'un accès VPN dans le cadre de cette offre. Comme j'ai dit avant, Free propose un support dédié aux professionnels, comme le précise l'entreprise, basé en France. Celui-ci est d'ailleurs accessible 7 jours sur 7. Free propose aussi un auto-diagnostic qui est, selon eux, une fonctionnalité innovante et inédite à l'aide d'un module IA qui est intégré et connecté à la Freebox Pro. L'entreprise précise ainsi que toutes les Freebox Pro sont supervisées H24. À l'instar de la Freebox Pop, la Freebox Pro a été pensée pour être éco-responsable. Ainsi, la Freebox Pro va bénéficier de 15 ans d'amélioration continue des process de conception et de fabrication dans le but de réduire l'empreinte environnementale. Donc voilà vraiment pour l'offre Freebox Pro qui vient donc tout juste d'être lancée. On va également faire un dernier petit récap de l'offre. Donc à partir de 39,99€ hors taxes par mois pendant un an, puis 49,99€ hors taxes par mois après cette première année, vous avez donc droit à une offre qui inclut la fibre jusqu'à 7 gigabits en descendant et 1 gigabit en montant avec une backup 4G automatique, deux lignes fixes illimitées, un forfait mobile Free Pro 5G et 4G, de la protection des données grâce à un serveur NAS, ainsi que du cloud à hauteur de 200 gigaoctets, un firewall avec un VPN et du chiffrement, ainsi qu'un support qui est dédié aux pros 7 jours sur 7, et bien sûr le module d'auto-diagnostic intégré à cette nouvelle Freebox Pro. Je sais pas ce que vous en pensez de cette offre, en tout cas si vous êtes une entreprise ou un professionnel. Est-ce que vous avez déjà été démarché par d'autres entreprises pour de la fibre? Est-ce qu'ils vous ont proposé, on va dire, autant de choses pour ce prix? Je serais assez curieux de le savoir. Dites-le en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Certes, peut-être beaucoup moins intéressante pour le grand public, parce que là, forcément, c'est une offre qui est destinée exclusivement aux entreprises. Ça fait longtemps, en tout cas, qu'on attendait justement l'arrivée de Free sur ce marché. Et là, ils le font de manière assez fracassante, je trouve. On va rapidement voir dans les prochains trimestres, au niveau des résultats financier de la société, si ça a en tout cas porté ses fruits. Voilà, voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci beaucoup de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos tech. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.